Oh, c'est chaud sa merde. On va appeler une femme à barbe. Quoi? Ah non. Je suis en train de me tacler parce que j'ai mis l'autobronzant et ça va pas du tout. Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Putain, je vais sourire là, c'est bizarre. T'as quoi, c'est vraiment, ouais. Tu sais que je croyais que c'était pire. Hein. Ah ouais? Ouais, franchement. Un grave mauvais souvenir pour moi, hein, clairement. Bienvenue sur cette vidéo les potes, mi dégustation, mi racontage de vie, mi vlog, mi tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que vous allez bien, ça va plutôt pas mal. Varva est bien bronzée grâce à un autobronzant. C'est sur ta nouvelle vidéo, non? Ouais. Bon bah voilà, pour ceux que ça intéresse, elle a refait une vidéo autobronzant, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa dernière vidéo. Avant de commencer, bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, nouvelle, et bien sûr le code duo d'un petit Fortnite. Merci à tous ceux qui le rentrent. Bientôt la nouvelle saison, en plus dans deux semaines. Ouais, deux semaines. Vu que ce week-end, on a du monde à la maison, les potes, on a fait pas mal de choses. Moi déjà, aujourd'hui, on a été à un marché de fleurs, c'est ça? Putain, mais casse-toi! Ouais, un marché de fleurs. Ouais, c'était un marché de fleurs, ouais, c'est ça. Du coup, là-bas, tout s'est bien passé. Ma mère a racheté des fleurs. Elle est dingue des fleurs, ma mère. On a acheté un truc, justement, qu'on va déguster en vidéo, là, juste après. J'ai hâte. Qui est vraiment trop, trop bon. Mais bon, vous allez voir, pour ceux qui kiffent, pour ceux qui sont vraiment un petit peu campagne et tout, vous allez kiffer. Enfin, campagne, non? Ouais, ouais. Moi, j'avais jamais connu ça avant. Ouais, alors, franchement, t'es quand même bien campagne. C'est trop bizarre. Et du coup, vu qu'il y a ma famille à la maison et il y a mon frère, ça fait 2 jours que je vais faire du vélo. Aujourd'hui, j'ai été faire du vélo aussi. Les chiens qui se mettent à manger, puisque on est. En vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est la première fois que ça lui arrive. Ouais, c'est la première fois de ma vie. J'ai 23 ans pourtant. En vrai, ça fait 23 ans que je suis en vie, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, elles m'ont bien tourné autour ces putains. Ouais. C'est la première fois que ça m'arrive. Et je croyais, comme je vous ai dit au départ de la vidéo, que c'est moins pire. Enfin, que c'est moins. Enfin, c'est moins pire que je pensais. D'ailleurs, dites-moi s'il y en a qui sont. Enfin, dites-moi si vous êtes déjà fait piquer par une guêpe, les gars, dans les commentaires pour ceux qui regardent la vidéo. Mais là, tout à l'heure, en fait, je vous explique. J'étais en vélo, tranquille, je roulais et tout. Et genre, j'ai une guêpe qui se pose sur mon cuissard. Sauf que moi, je me suis dit, en fait, je l'ai senti, genre, se poser, genre, sur ma cuisse, tu vois. Et je me suis dit, bah, elle va partir, tu vois. J'ai pas paniqué. En même temps, en vélo, tu peux pas paniquer, tu vois. Ah, moi, j'ai pas paniqué, moi. Bah, c'est non, pas je pensais. C'est pas une couteau, moi. Du coup, j'ai pas paniqué, je m'en suis battu les couilles et tout. Et genre, 3-4 secondes après, je sens. Je sais pas comment expliquer, comme une piqûre. Ouais, bah comme oui, un vaccin ça, en fait. C'est trop bizarre, ah, j'ai pété cette sensation. Comme un vaccin et du coup elle m'a piqué la cuisse. On y verra en vidéo. Ça a bien dégonflé en vrai. Bien dégonflé en vrai, ça fait une heure que je me suis fait piquer mais. Moi j'aurais hurlé, hein. Je déteste ça. Genre je sais plus si c'était moi ou ma soeur quand j'étais petite. Genre je m'étais fait piquer entre les deux doigts là. Oh, une horreur, mais vraiment une horreur. Bref, du coup, simple coïncidence parce qu'en plus de ça, avant de partir. Je lui ai dit, ouais, c'est pas toi qui t'es fait piquer par une guêpe ou qui est allergique aux guêpes ou qui t'es jamais fait piquer et tout machin. Bah si, voilà, du coup c'est fait. Comment manger après? On s'en bat les couilles. Oh. Du coup, tout à l'heure, on a arraché un essaim d'abeille, vu qu'elle m'a piqué. Et du coup, on a ça, je pense qu'ils connaissent. En gros, enfin pour ceux qui connaissent pas plutôt, c'est du miel. Ouais, mais pas du miel en pot, genre. C'est trop bizarre, ça faisait des années que Roro il m'en parlait. Oh là là, oh ça a l'air incroyable. Ça faisait des années que Roro il m'en parlait. Mais c'est insane ce truc. C'est en gros, c'est de la ruche. Enfin, c'est ce qu'il y a dans la ruche, on est d'accord. Ouais. Je suis pas folle. Mmh. Mange pas tout, hein. Enfin, pas la. On en parlait avant le déménagement, il me disait, ouais, faudrait trop que tu goûtes un jour le truc, le véritable miel comme ça et tout machin avec le. Genre la cire d'abeille. Et moi, j'avais jamais goûté parce que qui goûte ça, frère, à part lui. En fait, franchement, c'est. Waouh. Tu vois, moi j'en veux, moi. Regardez-moi ça, ça ressemble à ça. Et là, on voit après pour le ça ressemble à ça. C'est trop bizarre. J'ai peur. Pourquoi t'as peur? T'as peur qu'il y en avait? Ouais. Tu sais, tout à l'heure, j'en ai vu une. Quoi? Dedans. Elle était restée coincée dedans. Tu te crois, là? Non, je sens pas. Ah, c'est bien. Une belle, une incroyable. Ah, d'accord, c'est trop bon, c'est meilleur miel. Ça, c'est la cire. Ça se mange pas. Bon, il y a quelques morceaux que t'avales, on est d'accord. En vrai, tu peux en manger, mais. C'est pas bon quoi. Franchement, incroyable. Là, quand on vous montrer mieux que ça, quand on prend, franchement, ça dégouline et tout, c'est trop. Oh là là. T'avais jamais goûté ça avant dans ta vie? Non. Il y a des gâteaux. Est-ce que vous avez déjà goûté, vous les gars? Ça fait vachement plus sucré que dans les pots, non? Alors en fait, c'est du miel brut. Je pensais que c'était vraiment genre un morceau et tu pouvais. Tu sais, c'était pas aussi dégoulinant que ça. La fraise, ça dégouline de partout. Hein. On dirait un chewing-gum, là, c'est. Ouais, un peu, ouais. Dites-nous si vous avez déjà goûté ça dans les commentaires, mais j'avais jamais vu ça. Je lui avais dit, ouais, je te promets, je t'en trouverai, mais c'est introuvable ce genre de truc. Si, ça se trouve. Non. On avait regardé sur internet, on avait eu du mal à trouver. Bah ouais. Comment ça s'appelle déjà?
Je sais même pas comment ça s'appelle. Je sais même pas. Pour ceux qui veulent le goûter. Pour ceux qui auraient éventuellement raté notre vidéo d'hier, on a planté pas mal de trucs dans le jardin. Évidemment, les chiens sont passés par là. J'ai vu que d'ailleurs, j'ai lu les commentaires un peu hier, il y en a plein qui nous ont conseillé de mettre une barrière autour. Mm-hmm. C'est ce qu'on avait pensé aussi. Mais... c'est ce qu'on voulait faire, mais en fait, vu qu'on n'a pas encore fini de grandir comme on voulait, on va pas mettre une barrière maintenant, tu vois, c'est gros, c'est pour l'enlever après, enfin, c'est débile. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est mettre une petite clôture, vous savez, les petits trucs comme ça, là. Autour, je pense que c'est largement suffisant. Mais le truc, c'est que. Ouais, ok. Je pense. Ou des petits piquets noirs, bref, peu importe. Mais le truc, c'est que les chiens, ils sont allés un petit peu cette nuit. Et comment vous dire que. Du coup, il y a des plants de salade qui ont été complètement dégommés. Non, dégommés, non. En fait, ils ont marché dessus, mais tu vois, ça les a écrasés. Ouais, et ça. En plus de la chaleur qu'il a fait aujourd'hui, et ben, franchement, là, ça les a arrosés. Ma mère, elle a déjà fait, elle a déjà arrosé. Ah, ouais. Et apparemment, ma mère, elle m'a dit que c'était nickel. Ah, oh, bah nickel, je savais pas. Ça bourre de ouf, hein. Ouais, c'est hyper écœurant, je trouve. C'est plus écœurant que du miel que tu bouffes comme ça. Hein. Ah oui. Je sais pas pourquoi. C'est que ce qu'il y a entre les alvéoles. Non, mais franchement. Ah, c'est du miel alvéolé, je crois, ça s'appelle. Ah, peut-être. Oui, oui, c'est même sûrement ça. Je veux pas les petits morceaux de cire, j'en ai marre d'en avoir dans la bouche. Là. Quand j'étais petit, que je partais en place verte, j'en achetais. Je te jure que t'as encore la marque sur le front. Mais vraiment. Il y a la même marque sur le front. C'est une casque. Parce que moi, ce qui m'a angoissé, et ce qui m'a toujours angoissé, c'est qu'il m'avait toujours dit qu'il s'était jamais fait piquer par une guêpe. Et du coup. T'avais peur que j'étais. Excuse. T'avais peur que je sois. Comment on appelle ça? Allergique. Allergique. Tu sais que j'ai eu mal pendant un bon petit moment, genre je dirais pendant 10-15 minutes. Après, c'est ouais. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est pire. Dites-moi, les gars, d'ailleurs, est-ce que vous pensez que c'est pire une piqûre de guêpe ou une piqûre de. Comment ça s'appelle? De méduse. Je pense que c'est la méduse le pire. Ah, je pense que c'est la méduse. Hein. Mais en fait, la méduse, ça te brûle et ça te pique. Mais là aussi, ça me brûlait. Hein. Genre, au départ, ouais, mais c'est... Ah, mais je sais pas comment expliquer. Est-ce que vous êtes déjà fait piquer, toi? Plein de fois. Ah, plein de fois. Mais toi, t'habites en ville aussi, donc forcément. Ça veut dire que t'as des guêpes en ville. Ouais, mais moi, je suis. Tu sais qu'au départ, j'ai eu peur que ça soit un frelon. J'ai dû me faire piquer une dizaine de fois. Tu penses que c'est pire un frelon? Mais là, un frelon, c'est. Tu sais, qu'il te pique là, t'es mort. Oui, je sais, tu gonfles. Franchement, les frelons, ma phobie. Dites-nous de quel animal ou quel insecte vous avez le plus peur et si vous êtes déjà fait piquer par des frelons ou des guêpes. Et là, en même temps, quand j'étais en vélo, genre, tu sais, des fois, t'as des moucherons qui passent dessus et tout. Là, j'en ai senti, j'ai senti la guêpe, j'ai regardé la guêpe qui est tombée sur ma cuisse, je pensais pas qu'elle est restée. Mais tu vois, j'avais pas fait plein de mouvements et tout, je suis en vélo. Moi, je me serais foutu en l'air. Je préfère me faire piquer par une guêpe que tomber. Je pense qu'elle a pensé qu'il se débattait alors que pas du tout. De base, c'est elle qui s'est poussée là. Vraiment, c'est pas possible. C'est quoi qui fait le plus mal? L'abeille ou la guêpe? Je sais pas. La guêpe qui t'a piqué, elle est crevée. Genre là, elle est morte. Tu te rends compte? C'est trop bizarre quand même. Elle préfère te piquer plutôt que de vivre. Regardez comment c'est brillant et tout. La femme! La femme! Posséder ce chien. Comme moi. Bref, écoutez, c'était notre petite vidéo racontage de vie, petit test pour savoir si vous aussi vous avez déjà testé ça. Franchement, ça vaut le coup de ouf. Ça coûte cher. On en a vu, ça coûte cher, mais on a vu ça, on s'est dit putain, ça m'a pas posé la question en fait. Ouais, on a acheté direct. J'ai dit au directeur. Donne-le-moi, s'il te plaît. J'espère que cette petite vidéo blablatage vous aura plu. Si tu vas vous faire piquer par des guêpes, faites attention, c'est une vidéo aussi prévention. Ouais, non, en vrai, tu peux rien y faire hein, quand une guêpe elle essaie de te piquer, Enfin. Ouais. Si t'es allergique, c'est chaud, ça meurt quand même. Ça dépend, tu te fais piquer. Si tu te fais piquer vers la gorge et que tu commences à gonfler, c'est chaud. Mais si tu te fais piquer au bras et que tu gonfles au bras, c'est pas très grave. Ah non, mais l'angoisse. Arrête de grogner. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non. Oui, tu parles là. Gênant. Même si je me suis fait piquer, vous inquiétez pas, tout va bien. C'était un premier test pour moi, c'était comme le vaccin du Covid. Ouais, pour moi, c'est fini. On saura quand même attendre la prochaine fois. Non, en vrai. Ça dépend. Comment elle t'a piqué, combien de temps elle t'a piqué, si elle t'a laissé d'arrêt ou hein. Bon, je suis habituée à la douleur, donc je te dis, ça m'a pas fait mal. Et pourtant, elle est restée au moins 3-4 secondes. Hein. Quand t'étais petite, tu te serais fait piquer petit, je pense que... Ah, j'aurais pleuré sa mère. Ouais. Mais là, je m'en bats les couilles. Là, j'avais pas mettre à pleurer, tu m'as dit, je reviens. Est-ce que je suis revenue? Je vais piquer bébé. Tu m'as dit, non, faut pas avoir peur des guêpes, faut les niquer les guêpes. J'avoue que j'aurais pas été serein, ce serait pas. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, les potes. On se retrouve bien sûr ce soir pour. Pas un live, ou peut-être, je sais pas. Hier, on a fait un live, franchement, c'était sympa. Ne vous inquiétez pas, il y en aura sûrement d'autres. Et bien sûr, à demain pour une nouvelle vidéo. Peace!